actuellement dans le laboratoire du professeur Sakatus au sein de l'Université de Loison, mondialement connu. Après plusieurs années de recherches acharnées, le professeur va enfin révéler son extraordinaire découverte, un logiciel de téléportation dans l'espace-temps. Accrochez-vous au siège, l'expérience va commencer. Thank you.
25, reproduction spontanée des androïdes. Thank you.
1966, les pionniers de l'Ouest américain. Thank you.
You should.
Thank you.
1977, les arachnides envahissent l'univers. Thank you.
une nouvelle scène apparaît.
C'est-à-dire que la majorité des chorégraphies ont été montées par les élèves eux-mêmes, bien sûr en les affinant un petit peu, mais même les toutes petites ont trouvé des mouvements et ont monté des morceaux de chorégraphie. Ça, c'est très important. Hein. On n'est pas à la Star Academy, il faut que les gens soient autonomes également en chorégraphie. Donc, ils donnent des idées pour les costumes, pour les musiques, également pour la chorégraphie. Et je vous demande de les applaudir tous très très fort. Je pense qu'on va pouvoir peut-être ouvrir le rideau. Est-ce qu'il s'ouvre? Voilà. Et on va pouvoir déjà applaudir très fort tous nos élèves. Avant de vous les présenter. Après, je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par Caroline, Jessica, Mademoiselle Loïs, Mademoiselle Tania. Et alors, pour la petite histoire, eh bien, Carla s'est cassée le pied il y a une quinzaine de jours, je crois. Elle en a pour un bon moment, mais comme elle avait le costume complet, eh bien, elle a passé tout le spectacle avec nous, avec son costume, dans les coulisses pour encourager tous les copains. Je voudrais l'applaudir, Carla. Alors, je ne suis pas sûre de donner les noms dans l'ordre, hein, c'est pas grave, on dit votre prénom, vous saluez. On va commencer avec mademoiselle Lola. Lola qui est grande habituée de la salle. On enchaîne avec mademoiselle Lou. Le festival. Johanna. Manon. Donc ils vous ont présenté une fantaisie japonaise. Alors on va commencer tout de suite avec Azari, Corinne et mademoiselle Tang. Merci. Alors, on passe à la démonstration rock des années 60. Alors là, on a un petit mélange du cours de danse de salon de vos voisins. Là, ils sont encore habillés en tango parce qu'ils ont fait les deux. Et du cours de danse de loisirs des deux Alpes. Alors, nous avons Marie-Jeanne avec Marie-France. Un petit mouvement de rock, et ben voilà. Ensuite, notre couple José. José fait la grève ce soir. Hein, tu es comme les photos, toi. La grève. Voilà. Troisième couple, Isabelle et Muriel.
savoir là. Merci, on va passer maintenant au cours de danse country de Mouazan qui a débuté cette année. Donc on a commencé cette année, donc tout ce que vous voyez a été travaillé depuis le mois d'octobre. Alors ce cours, c'est un cours un peu hétéroclite, où tous les âges sont représentés. Je ne dirai pas l'âge de la plus ancienne. Sachez qu'il y a un 7 avec quelque chose derrière. Donc voilà. Alors, on va commencer par notre chérie Corentin. Alors après, je vais essayer de mettre ma fiche dans 10 ans. Marianne. Josiane. Notre Calamity Jolie. Annie. Janine. Bon, vous mettez. Muriel. Martine. Et comme on le fait, c'est un coup d'heure à peu près, une demi-heure, trois quarts d'heure d'une danse et la même chose de l'autre. Donc ils n'ont pas beaucoup finalement de tango argentin. Donc on peut les considérer comme de simples, vraiment débutants hein, en tango argentin. Donc ils ont quand même monté toute une chorégraphie, je trouve qu'ils se sont quand même pas mal évolués du tout. On va commencer avec notre premier couple, Gilles et Marielle. Et des petites choses derrière. André et Gilbert. Christophe et Brigitte. Marcel et Marie-Claude. Et donc Justine et Violette qui sont cachés quelque part là-bas. Voilà. Oh non. Ça c'est Marco qui t'en veut. Merci beaucoup. Avec une résidente débutante d'ailleurs dans ce cours. Hein. Alors, on va commencer tout de suite par Marco. On va passer à Solène, mademoiselle Zoé, Maëlle, notre habitante des deux âmes, Paulina. Alors là, c'est un peu mélangé, débutant, un peu moyen, donc un petit cours un peu hétéroclite aussi. Je vous présente tout de suite Zepa, qui est également résident des deux actes, et qui vient vous présenter tous les mardis. David et Christine. Et grand cadeau,
clients, on en a juste une ou deux, groupes adultes, jeunes adultes, de vos voisins. On commence tout de suite avec Alexia, Estelle, Lalou, Alice, Léa, Coralie, Amandine, Virginie, Amélie et Laura. Je pense n'avoir oublié personne, merci les filles. Voilà, et bien tout le monde nous a été présenté. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et le professeur. Et je remercie également Margot, Marc Parizet, qui est à la...